Le grind continue. Bon, la session, les dernières runs n'étaient pas terribles. Enfin bon. Après, en vrai, c'est normal aussi, arriver à platine, bon. On commence à tomber contre des mecs qui savent aussi ce qu'ils font, quoi. Et je t'avoue que même moi, ça m'arrive de pas savoir ce que je fais forcément, donc c'est normal qu'on en perde, quoi. On apprend. On apprend. C'est très coûteux et c'est pas dingue en vrai. Je suis pas satisfait de ce start, mais si je prenais pas une arme de plus, j'avais zéro chance de gagner. Là au moins on gagne le round, donc en vrai, on va dire que c'est mission accomplie. Est-ce qu'on achète une whetstone? En vrai, je suis de moins en moins fan de faire ces upgrades là, dans le sens où ça coûte quand même assez cher la whetstone et ça te donne pas non plus des armes de zinzin, tu vois, à moins que tu arrives à faire vraiment les derniers trucs, mais dans ce cas là faut vraiment beaucoup investir et c'est plus risqué qu'autre chose, quoi. Une dague. En vrai, c'est intéressant ça comme choix. La dague, ça apporte pas tant de ça dans le sens. En vrai, je pense que limite le bouclier apporte plus dans l'immédiat. Mais pour plus tard, je pense que la dague aura plus de le potentiel d'être bien, quoi. Pour l'instant, on a zéro solde. Hein. Ouais, je pense qu'on va perdre ça. Ouais. Est-ce que je veux pas faire la fusion des deux? Là, faudrait que je fasse ça, genre. Pour 3 gold, je pense que je veux pas reroll. Ah, tu vois, lui, il a la même, sauf que lui, il a décidé de pas faire la fusion. Ce qui est peut-être plus intelligent. Par contre, il a beaucoup plus de food. Du coup, on va perdre. Ouais, peut-être que j'aurais pas dû faire la fusion non plus. Honnêtement, c'est un peu de la merde hein, ce qu'on a. Ah, c'est marrant, lui, il a quasi la même chose, sauf qu'il a un caillou en plus. Après, moi, j'ai une dague à la place. Du coup, en vrai, ce qu'il a, c'est un... on a de la chance de tomber sur un mec qui a quasiment la même chose que nous, en moins bien. Parce qu'à mon avis, il doit pas y en avoir beaucoup qu'on ça, quoi. Qu'on des trucs aussi peu...
aussi peu bien, quoi. Comment je peux faire pour rendre ça plus efficace? J'aimerais bien que la banane elle soit entourée, en fait. Comme ça. C'est quoi les deux autres arcs qu'on peut avoir? Pourquoi quand je tape beau, ça me donne que ça? Parce qu'ils s'appellent pas pareil autrement. Ils sont où les deux autres? Je les vois pas. Ah non, il y en a un là. Allez, lui, ça va être les épines. Lui, c'est la chance et lui, c'est le poison. Ouais, je tente de partir poison, mais ça m'a l'air difficile quand même de... vraiment partir complètement là-dessus, quoi. Comment je peux faire? Comme ça, c'est pas mal. Je pense pas que j'en achète un deuxième. Ça, ça pourrait m'aider à le gagner, mais... on peut voir les uniques en vrai. J'ai envie de voir les trucs de classe en fait. Ouais, c'est sûrement la l'Hydrasil que je prends là. À ce moment-là, ça vaut le coup de la prendre. Hein. Ça vaut le coup, je pense. Ouais, je comble ça en fait. Ce serait mieux. Mais du coup, c'est ici que ça va pas. Comment on peut faire ça? Il faut juste que je remette ça au milieu. Ça comme ça, et c'est bon, non? Ici, c'est encore mieux. Voilà. On peut le mettre là. Ok, bonne victoire. En vrai... Ah, j'ai deux défaites, là. Ok, je croyais que j'en avais qu'une. J'allais dire, en vrai, on s'en sort pas si mal, mais... Bon, c'est vrai, deux défaites, c'est un peu plus chiant, quand même. Un peu plus chiant. Ça, il me le faut, je pense. Il y avait un mec qui jouait avec... avec le marteau. Marteau et ça. Non mais ça c'est pas rentable à vendre par contre. Par contre je peux vendre ça et un oignon peut-être. Pour acheter le marteau. Sauf que comment je le place le marteau? Ça c'est une bonne question. Ça va foutre le sbeul dans mon inventaire. Ça.
Ah ouais, mais non, la staff, faut pas qu'elle soit là en fait. En gros, ça faut que ce soit côte à côte. Comme ça, ça c'est pas mal. Et à la limite, en vrai, je peux faire ça peut-être. Ok, nice. Il avait l'air très faible lui, hein, parce qu'il m'a quasiment pas mis de poison. Il a juste ça en dégâts. Ouais, c'est vraiment très faible à ce stade-là, je pense. Du coup, la potion de mana, ça me permet de... Ça me permet d'avoir ça. Il n'y a pas moyen de... Comment on fait déjà la Staff of Healing? C'est pas en fusionnant la magie de staff, justement? Alors, attendez. Patch. Patch. Je vais vérifier. Si, Staff of... Ah non, c'est avec la flasque démonique. Ouais, comme ça. Je pense qu'on garde ça quand même. On est pas trop mal, je trouve, là. On n'est pas non plus au max, je pense, mais on n'est pas trop mal. Nice. Faudrait juste, je pense, que je fasse, que je mette plus de trucs ici, là, de synergie. Idéalement, ce qu'il me faudrait, c'est surtout des blueberries. Ça sera vraiment top. Parce que là, je gagne pas assez de mana en fait, je pense, par. Ouais, en vrai, je gagne pas assez de mana. Est-ce qu'on s'en refait une de potion de mana? Je sais pas si c'est la meilleure idée, quoi. On perd en ça. Ah, oh, il a la fusion des deux. Oh, le bâtard. Ah, oh, putain, il a eu... Il a eu Attends, c'est combien? C'est 6 ou 8? On gagne de justesse. Ça, ça fait plaisir. Ouais, je pense pas que je veux refaire une fusion, vu que ça demande quand même pas mal de mana. Donc, pour l'instant, on va la laisser comme ça, sans la fusionner. Et ça, c'est pas mal, par contre. Ah, merde.
En vrai, la potion de vigueur, j'aurais peut-être dû la prendre hein, aussi. Je manque un peu de DPS à la fin, tu vois. Vu que j'ai plus de mana, je manque de DPS. Faut juste que j'arrive à régler ce problème, et en vrai, après, on sera bien. Hein. Je pense pas que je veux acheter ça aussi. Ça va pas vraiment. Enfin, c'est pas ce que je dois prioriser, je pense. Il va me battre. La trompette qu'il me faudrait en vrai. La trompette, ça peut donner du mana aussi. Mais bon, en vrai, ce qu'il me faudrait le plus, c'est juste des blueberries quoi. Des blueberries en plus, tu vois, lui il en a pas mal des blueberries. Hein. On va perdre, je pense. Ouais, le problème, c'est que ouais, j'utilise tout mon mana au début, on fait mal. Sauf qu'après j'ai plus de mana, du coup bah on fait plus rien quoi. Oh, je peux la foutre pour la rendre efficace en vrai. Que c'est pas plus rentable que ça en vrai. Après, je devrais vendre un autre truc. Faut qu'on sustain en mana quoi. 4, 3, 1, ça remonte. Ah, ça monte pas assez vite! Putain! Yeah! Bon bah faut gagner hein. Il faut gagner.
Le heal qu'il a pris, le bâtard. Ok, nice, on la gagne. Ah, j'aurais dû mettre ça juste de décaler de 1, je pense. Ça protège les deux, non? À mon avis. Ok, on gagne. Plus 12, ou entre 3 et 19. On prend notre plus 12, hein. Ouais, c'est ça le problème des runs, quoi. C'est que, genre, tu pars sur un truc, si tu touches pas, bah, il se passe ça, quoi. En vrai, c'était pas trop mal quand même, hein. C'était pas trop mal quand même. Juste, ça aurait pu être beaucoup mieux si on avait touché, quoi, mais... Oh, on va pas se plaindre de ce qu'on a quand même. Moi, ouais, je pourrais juste acheter ça et... Et basta, hein. On économise 3 gold et on est assez bon, même si c'est pas extraordinaire non plus, mais ça passe. Le pandémonium, c'est quoi déjà comme... Oui, c'est le cristal corrompu. J'ai pas envie de faire la fusion. J'ai pas envie de fusionner le balai avec. Avec la poêle, je pense. On va essayer de se faire un truc épine. Un build épine. Nice. J'achèterais bien ça, mais en vrai, sans emplacement, ça me sert à que dalle, quoi. Il a du heal. Après, on gagne quand même. Hein. C'est cool, ça. C'est cool qu'on arrive à gagner alors que nous, on n'a pas de régène. Juste, on a des dégâts et des épines. Deuxième cochon, je pense pas. Je
pas si double poil c'est vraiment bonne idée. La double pelle. Ah mais on est bien là pour l'instant. Un goubert. Le goubert. Qui m'intéresse, je pense. Éventuellement, lui, peut-être. Ça vaut le coup d'acheter un goubert juste pour ça. Le truc, c'est ça prend quand même pas mal de place, un goubert. Hein. Après, pour 3 gold, au pire, je le revends. Il a trop de régène, on va perdre. C'est plutôt on n'a pas assez de dégâts quoi. En vrai il avait pas l'air d'avoir tant de ça de régène non plus mais... Ça faudrait que ce soit là pour bien faire. Ça pourrait être ok. C'est un peu c'est encore une fois c'est pas ouf là. Du coup on va sûrement perdre ce round aussi parce qu'on a rien de concret on va dire. On a eu un bon start mais là faut transi quoi. On se fait casser en deux. Fait casser en deux. En vrai, ça pourrait être un deck mana, sinon. Hein. On a un peu des deux quoi là. On a un peu des deux. Ça va sûrement être poison en vrai. Et je vais tège le balai, prendre le sabre. Encore perdre là.
Ah, mais le problème, c'est que le prochain, je suis pas sûr de le gagner non plus, quoi. Ah, putain, ça joue à rien, mais cette fois, c'est pas pour nous. Ah. Mais reste là, toi. Ah, il y avait la... Ah, il y a la mana gem aussi, putain. Attends, vas-y. Fais ça. Ça, c'est quoi? C'est pour chaque mature. Ah, mais du coup ça compte pas là-dedans, c'est chiant. On voit la banane, elle est où la banane? Elle est là. Comme ça. Ça prend que deux fois. Ouais, mais là il n'y a plus de place pour ça. Est-ce qu'on veut quand même transformer ça en truc de mana? En vrai, ça se peut, hein. Ça peut. Ça peut. Par contre, là, du coup, en termes de victoire-défaite, on n'est pas bien, quoi. Avec le sabre, on gagne. Le problème, c'est que le sabre, on le perd, là. On le perd. Il faut que je mette ça comme ça, plutôt. Mana staff. Ça, c'est pas dégueu non plus, en vrai. C'est pas dégueu, mais c'est cher. En vrai, je devrais juste... En vrai, je devrais peut-être pas faire ça, juste avoir un truc comme ça, plutôt. Le problème, c'est que ça, c'est mieux, du coup. Ça, c'est pas mal, par contre. Sauf que ça... Si je mets là, c'est le Usbeul. Ouais... On peut pas monter ça de 1. Comme ça. On garde ça du coup. C'est quand même pas mal pour ce qu'on veut faire. C'est quand même pas mal. Combien je gagne d'épines en vrai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu lent de monter à 6. 6, on est à 6 x 2, donc 12. Après, il y a ça qui en donne aussi, du coup. Faut qu'on atteigne 19, quoi, pour mettre à plus 20. C'est ça le but. On reprend ça. Non, c'est pas ça. La dague? Ah non, la dague a pas trop d'intérêt, mais elle sert à quoi déjà la potion de mana?
Ça, c'est une mana orbe. Ah, ça reclasse ça, la potion de mana? Bah, sinon, en vrai, je fais juste... Sinon, je fais juste... Je sais plus ce que je voulais dire. C'est juste une potion de mana, en fait. Genre... sans mettre avec autre chose. Pas si c'est vraiment rentable, du coup. Prendre ça, ici. Comment je peux faire rentrer ça? Piqué quand même là. Ok. Okay. Il se met tellement d'armure. Ah ouais, mais c'est normal, c'est... C'est normal, c'est son... Sa vampirique armor. Ouais, ça c'est pas trop mal hein. Après je gagne pas trop de chance, mais je gagne full de mana et full de l'autre truc aussi. Le truc c'est je mets ça où en fait, comme ça. Je peux tenter comme ça. Pas convaincu que ce soit genre le meilleur meilleur agencement, mais bon. En poison, on monte giga vite maintenant. On est à 25 là, on envoie masse dégâts là. Ah, il y a la Hungry Blade. Ah, par contre là en stamina là, c'est tendu hein. C'est tendu. La crit wood staff, ça fait quoi déjà? Chaque fois j'oublie. Ça fait des dégâts en plus, c'est ça? Toutes les attaques font des crits. Je sais pas, en vrai, je sais pas si c'est mieux que la magie de staff en vrai. Hein. En vrai, je suis pas convaincu. Hein. Genre, ça fait que tu crits sur toutes les attaques, mais. En vrai, c'est bien si t'as des peut-être des dailles et encore. Même pas sûr. J'ai pas moyen de faire une place quelque part. J'ai 3 emplacements, mais ça va pas comme ça, quoi. On va sûrement perdre à cause de la stamina, non? En vrai, le Goubert est l'île de ouf aussi, hein, je pense. C'est incroyable. Hein. En vrai, cette fusion de Goubert, elle a l'air super forte parce qu'en fait, ça, c'est pas difficile de la faire. Il suffit juste d'avoir un sable laser avec le Goubert. Genre, c'est vraiment simple. Comparé aux autres... Aux autres fusions de Goubert où il faut avoir souvent 2 items, 2 fois le même objet. Genre c'est vraiment beaucoup plus simple. Et c'est ça heal pas mal quand même. Hein. Ça heal pas mal. Ça a quelque chose ça.
Le problème, c'est que ma chance, elle se consume automatiquement, en fait. Du coup, ouais. Du coup, c'est pas dingus non plus, quoi. Il y a ça qui soigne aussi. Ouais, ça pourrait peut-être valoir le coup aussi, mais ça fait beaucoup de d'utilisation de stamina, quoi. Peut-être ça, sinon. Ça pourrait être bien. En vrai, le truc avec les épines, c'est qu'il faut vraiment avoir le truc qui counter. Sinon, tu te fais éclater, quoi. J'ai l'impression. Le problème de ça, c'est que ça marche pas en diagonale, quoi. C'est ça qui est chiant. Ouais, faut faire l'inverse, ça sera mieux. Genre c'est ça quoi, si t'as pas ça en vrai c'est compliqué je pense. Oh il a full poison, putain il m'a mis 39 dès le début. Ah et ça suffit pas en plus. On est incroyable. Bon après c'était chaud quand même mais... Est-ce qu'on veut ça je pense pas. Ouais, ça me sert à rien vu que j'ai pas de régène. Ouais, j'en chope de la régène. C'est très débile ce que j'ai fait. Que ça, je le veux. Ouais, c'est ça que je peux prendre vu que j'ai gagné beaucoup de mana et je m'en sers pas. Ça, c'est pas con, je pense. Est-ce qu'on veut ça ou pas? On pourrait le mettre là, mais... Mais je pourrais... Quoi qu'en vrai, si, il y a moyen d'acheter ça et d'avoir les deux aussi. Hein. Du coup, profiter de tout. Ça fait un item pas cher à prendre en plus. Je pourrais même lui mettre lui faire la transformation. Je sais pas si c'est rentable. Oh, il m'a éclaté, lui. On est à quoi? Deux victoires, une défaite. Uberacier, ça a l'air pas mal quand même aussi. Hein. Blood Harvest. Waouh. Item gif 100% vampirisme. Waouh. C'est dommage que j'ai absolument rien qui synergise avec, quoi. Ah non, ça va pas là. Putain, merde, j'ai mal calculé. Bon, ça reste rentable, non? Ah, mais je perds mes épines, quoi. Après, en vrai, j'ai déjà. J'ai déjà pas mal de trucs qui me donnent des épines techniquement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen genre de virer le cochon? Attends, comment je peux faire? Ah non, ça va pas le faire. Si j'avance ça ici. Ou alors je fais comme ça quoi. Et du coup, ça, je synergise pas. Comme ça. Je sais pas si c'est vraiment mieux. Hein. J'suis pas convaincu. Là, par contre, je peux faire ça.
Et on gagne. Nice. On a perdu contre quoi? C'était un build mana du coup. On en voit quand même pas mal, hein. 43 damage avec le poison, 52 dégâts avec la staff. Oh, 52! Ah ouais, elle lui a donné plus 27. Ah, du coup, je les ai eus quand même. J'ai eu les 7 de chance cette fois. On sait pas que je les aurais. Ça, faudrait que je l'achète. Hein. Ça, ça me donne 3 de régène. Ça serait pas mal. Mais est-ce que je peux glisser ça quelque part? En termes d'espace, c'est un peu tendu, là. Après, en vrai, ça, est-ce que ça me sert à quelque chose? Après, est-ce que je peux... peut-être faire comme ça? Mais je perds un truc ici. Ah, c'est pas ouf, en vrai. Alors ça, ouais, maintenant ça, ça a sa place aussi. Je crois qu'en vrai, je peux mettre ça ici et ça là. Ça fait une synergie de moins pour la banane. Après, ça me permet pas non plus de placer mon truc, donc en fait, ça sert à rien. Hmm. En vrai, ou alors je remplace le shield par ça. J'ai du mal à dire si ça a plus d'impact. Ou alors c'est ça, mais je pense que ça c'est mieux quand même. Ou alors c'est les potions sinon qui dégagent. Pareil, je sais pas si ça a un meilleur impact. Ouais, c'est ça, là, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui a le plus d'impact, en fait. Après, je peux peut-être... Enfin, de toute façon, c'est le dernier combat, en fait, donc... on a qu'à faire ça. C'est le dernier combat. Oh, il a full potion, lui. Ça a l'air d'être l'enfer. Ok, on gagne. Nice. Putain, en vrai, on était strong, là. On a fait 4 victoires, une défaite. Pas mal, en vrai. Très content de cette run. 21. Bien mérité. Let's go. Elle était vraiment pas mal du tout, celle-là. Hein. Comme quoi, mais... ouais, Poison Ivy, quoi. Les épines. Très fort. Très, très fort. Avec Pandemonium, ça allait bien finalement au début. Au début, je pensais que c'était bien. Après, quand je l'ai pris, je me suis dit en fait, vu que c'est les épines qui infligent du poison, du coup, c'est pas obligé de partir là-dessus, mais c'était bien quand même en fait. Parce que du coup, on stack encore plus le poison, quoi. On fait un mix des deux et c'est pas mal. Et là, on se retrouve avec 3000 buffs. Et 3000 debuffs. Enfin, non, en vrai, on met que le poison en debuff, mais c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Nice. Allez, vas-y, on a le temps d'en refaire une. On va faire une avec elle. Redstone et sinon, je peux acheter la pan. Je peux acheter les deux, tu me diras, mais... C'est un peu cher en énergie, quoi, mais bon. Ça passe. Ça passe, ça passe. Torche ou pas torche? Ouais, je m'étais dit, peut-être que vu que j'ai une Whetstone, je pourrais essayer de faire la Hero Sword et ensuite faire la fusion Goubert Hero Sword. Je pense que ça peut être intéressant. Parce que du coup, ça synergise avec un peu toutes les armes au final. Est-ce qu'on fait la pelle? Est-ce
qu'on fait l'appel. De toute façon, en vrai, si je pars sur Steel Boober, ça sert à rien de partir trop sur du poison. Donc en vrai, on peut partir sur la pelle. Faire ça. Ouais, ça c'est... C'est pas cher. Nice. Est-ce qu'on repart avec ça? Je pense pas là. Où est-ce qu'on place ça par contre? Bien de gagner ça, on va perdre. Ah dommage, la potion de heal, ça fait la diff, non? Voilà, on est à ouais, régen 11 PV. Du coup là on est à égalité, après je prends les dégâts. Comment ça un crit? Et comment ça un crit à 13%? Ah putain, en vrai, le... je devrais pas regarder le log, c'est plus frustrant qu'autre chose. Le mec, il me fait des crits à 13% aussi, là, ça va. Faut pas abuser non plus. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Bon, c'est pas dingue pour l'instant. Après, on se met des emplacements. Moi, j'aurais peut-être dû acheter ça plutôt. J'essaye de rester à peu près fort, mais... Ouais, nice, ça passe. Le temps de trouver mieux. Un deuxième bouclier. En vrai, il est en solde. Après, il y a... Il y a l'armure, sinon. Je sais pas si te bouclier, c'est vraiment intéressant. Bref. Temporairement, c'est sûrement pas trop mauvais, mais bon. Est-ce que ça, c'est pas plus intéressant à acheter, tu vois? Le problème de ça, c'est si... Si ça suffit pas pour gagner, du coup, c'est un peu la merde. On va perdre, je pense. À moins que... Ah non, nice. J'ai l'impression qu'il me faisait plus de dégâts au début. Comment on peut faire un... Et comme ça, il n'y a pas les deux autres. Du coup, c'est de la merde. Comme ça, sinon. J'avais dit que je partirais pas poison, mais on propose 3000 champignons, donc... Pour l'instant, je les accepte. Hein. On prend ça.
Dur, dur, hein. Dur, dur. Salut, Jiosin, ça va? Dur, dur, là. On n'est pas très fort, hein, à mon avis. Il y a de la régène. Oh, ça va le faire gagner, non? Ah non! Ça, c'est vrai que j'ai le poison en plus, quand même, là, qui est assez bien en début de partie. C'est trop, par contre, le nombre de. Le nombre d'agarites là qu'on me propose, c'est un délire. Hein. C'est pas que je lock ça, si. Non, vas-y, on va pas lock. C'est quoi le jeu? Genre ça, t'as pas vu que je... Tu m'as pas vu jouer au jeu? Ça fait quand même une semaine, là, au moins, que je spam. Mais c'est un... C'est un auto-battleur multijoueur asynchro, en gros. Je pourrais faire poison Goubert en vrai. Il Goubert. Comme ça. Comme ça. Batchpatch Hero, bah c'est... Je pense que c'est inspiré de Batchpatch Hero, sauf que c'est en version multijoueur, en gros. Mais c'est un peu le même principe, genre tu fais des synergies avec les objets. Et après tu fais des 1v1 contre des joueurs. Salut Zoom Zoom, merci, merci de venir, d'être venu sur la chaîne Twitch. Ça fait plaisir. J'ai beaucoup de berry là, je pourrais presque faire un truc mana plutôt, mais compliqué quand même. Il se met tellement d'armure, je pense qu'on va perdre. Ah, le poison qui fait la diff quand même. Waypoint, j'ai une plus 2 damage. La super autopète, bah c'est. Ouais, c'est multijoueur asynchro quoi. C'est pareil qu'autopète. Comme. Dans le style quoi. Ouais, ça faudrait être ça booste les trucs comment je peux faire le sac à dos de l'enfer. Ouais, il est pas facile à orga, il est pas facile à orga.
Comment on peut faire ça? Une armure stylée dans la boutique. Si, elle est mieux, mais... D'abord, j'organise et ensuite, je vais acheter. Ensuite, je vais remplacer, ouais. Non, ça, en vrai, ça va mieux, là. Après, quoi que... on gagne pas de chance, on gagne pas d'épines, ouais, en vrai ça vaut pas le coup, je pense. Ça pourrait être ok à la limite, mais bon. Est-ce qu'on veut une poêle? Ouais, mais le problème c'est si je prends la poêle, je dois tout refaire. Il faut un peu le seum, quoi. Truc comme ça. Non, stamina high là. Ça faudrait que je l'exploite mieux en vrai. C'est que c'est compliqué. On a qu'à faire ça pour l'instant. Je sais pas si je vais avoir assez de stamina en vrai. Ouais. J'ai que deux armes, donc normalement ça doit aller quand même, mais. Once de poison. 13. Ok, ça passe. On est à zéro défaite là, mais c'est incroyable ça par contre. Non, je crois qu'on en a eu une, mais qu'on a régène après la classe. Ah merde, ça... Je pourrais acheter ça pour le mettre là. Je passe quoi quand tu atteins les 10 victoires bah, tu vas voir. Tu vas voir. Ça ira plus vite que tu vois plutôt que je t'explique. Ça pourrait peut-être valoir le coup si j'ai... Je pense que j'ai atteint les 10 de poison. Ça pourrait être bien aussi en remplaçant à ça. Coûte cher, hein. Peut-être le ça en fait ça faudrait soit je le faudrait je l'upgrade en fait ça on va peut-être pas lodge ça du coup je pense que je garde ça pour remplacer la pelle mais c'est tout c'est quoi c'est 1.5 en stamina ça c'est un 7 on va diminuer un peu c'est pas mal je pense qu'on va perdre contre lui il a une il a un marteau et les marteaux souvent ça m'arrache la bouche. Ah, oh là là, on gagne quand même. Let's go. On est bon aujourd'hui, hein. Ou alors les adversaires sont nuls, je sais pas, mais... On va dire que c'est moi qui suis bon, plutôt. C'est mieux. C'est plus plaisant. Hop. Donc là, ce qu'il me faut, c'est quoi? Faudrait que j'ai ça qui active autre chose. Ah... Je pourrais le vendre aussi. Pour l'instant, on va juste faire ça.
Ah bah tiens, on a un build épine justement. Elle tombe à pic notre notre épée qui supprime les épines. Ça nous perd. En vrai, je pense que ça fait la diff hein, pour gagner. Et du coup, quand on arrive à 10 victoires, on peut soit prendre les points, soit on peut partir en mode survie. Et du coup, ça rajoute 7 rounds. Et on gagne plus de points si on arrive à survivre plus longtemps, quoi. Mais on peut aussi en gagner moins. Du coup, c'est plus flippy. Mais là, vu qu'on a full gagné, on va partir en mode survie. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Mais je... Ouais, relocaliser peut-être. Non, mais ça c'est 6 aussi. Hein. Ça va être compliqué quand même. En fait, en vrai, si je fais ça, que je baisse de 1, là c'est pas mal. Ah ouais, mais non, mais ça, ça va me niquer. Ah, mais je la mets comme ça au pire. Ça, c'est pas mal en vrai aussi. En vrai, ça, c'est très bien pour counter les certains decks, certains builds. Ouais, je le mets quoi? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, comme ça, ça serait mieux. Parce que je peux pas le décaler de 1 l'épée en fait. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, c'est pas mal. Mettre ça ici. Comme ça. Ah, mais lui, il a un truc qui est pas activé ici. Hein? En gros, là, j'ai un deck qui fait des dégâts avec le poison. Et les armes. Et j'ai aussi des trucs pour enlever les buffs adverses. Genre ça enlève la régénération et les épines des adversaires. Genre typiquement le mec qu'on vient d'affronter là, il avait un deck qui se met pas mal d'épines, donc on counter. Et ça enlève la chance. Et donc ça counter aussi certains decks. Et c'est assez fort du coup. On puisse avoir les deux sans que ça nous pénalise en DPS. C'est plutôt pas mal. Encore un... On va faire ça comme ça. Tu vois, lui, il a un... J'allais dire un but de chance, mais putain, il m'a éclaté par contre. Mais on n'enlève pas assez de chance. Il m'a éclaté, lui. Ouais, je mette ça comme ça pour bien faire, mais bon. C'est compliqué. Ça, faudrait que je le mette comme ça, mais... Faire ça, non? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, j'améliore ça, quoi. C'est surtout ça le problème actuellement. Je vais l'avancer. Faudrait que j'ai de quoi mettre ici aussi. On va mettre ça après, en vrai. Oh, yeah, mais le problème c'est que j'ai pas la thune. Il y a un round en plus à attendre, c'est chiant. Je peux rien vendre de vraiment. Ok, on gagne. Nice.
Ça pourrait être sympa aussi, mais est-ce que je peux le placer? Je place ça comme ça, mais ça nique la poêle. Ah ouais, mais non, en plus, ça nique le goubert aussi. Ou alors, c'est ça qui dégage. Compliqué quand même. En fait, c'est ça que... Ah mais non, sinon, je fais juste ça, en fait. Sinon, on fait juste ça, hein. Ça, on pourrait l'acheter aussi, éventuellement. On va lock. On est à quoi? Une victoire, une défaite, là? Oh, putain, lui, il va nous éclater. Les decks tarot, c'est fort. Les decks tarot, toi-même, tu sais, c'est très fort. Je sais pas comment counter les decks tarot, en vrai. Ah, putain, mais du coup, ça casse tout, ça. Ah, ça casse tout! Allez, c'est reparti. On recommence. Alors, le goubert. Faire ça ailleurs, genre comme ça. C'est la merde. C'est la merde. Je peux pas tout arranger, quoi. Et si je le mettais comme ça, plutôt, et que je fais ça, ça va pas être mieux. Pas ouf, hein. J'ai oublié ça aussi. C'est tellement de la merde. Putain, ah, c'est encore pire que tout à l'heure, j'ai l'impression. Putain. C'est encore pire que tout à l'heure. Ah, le problème, c'est ça, quoi. Le problème, c'est que pour le goubert, il faudrait... exploiter ça, quoi. Mais... comment on peut faire? Super.
Ça me fait pas rêver, quoi. Ça me fait pas rêver. Ouais, je suis pas fan. Mais je sais pas. Ouais, peut-être que la. L'œuf, je devrais pas le prendre. Nice, on gagne. Ah, j'ai eu peur quand même un peu. On est à quoi? On a perdu combien? On a perdu deux fois, non? Ouais, on a perdu deux fois, on a gagné trois fois. Ou alors ça, je la mets comme ça. Et je mets quoi ici? Ou alors je mets ça ici. Et ça, je le mets où du coup? Ici. Ça, je le décale de 1. Et là, on met autre chose. Là, on peut faire ça. Ok, comme ça, c'est déjà un peu mieux. Comme ça, c'est déjà un peu mieux. Bon, le bouclier, par contre, ouais, il rentre pas, quoi, mais... Il ne rentre pas. Oh, le goubert. Un goubert en plus. J'ai que des trucs qui rentrent à 4 par 4, quoi. Un peu de régène. Une banane. Potion. J'essaye de trouver juste des trucs qui sont bien sans... et qui coûtent pas trop non plus, qui rentrent dans le deck. Avec les potions là, j'envoie pas mal de poison quand même. Hein. Tu vois là, on passe à 30 en genre 5 secondes. 60, 70. Un bon deck poison quoi. C'est ça qu'on veut. On les empoisonne à la mort. Bonne chance à vous. Je sais pas si je gagne assez de mana, mais ça, ça peut peut-être valoir le coup si j'arrive à la placer quelque part. C'est comme ça. Ouais, tu vois, genre rajouter des petits trucs comme ça. Genre c'est pas incroyable, mais ça peut avoir une bonne valeur, quoi. Une bonne valeur ajoutée. Bon, je gagne du mana, non? 3, 4, 5, 6, 7, 8... Allez, l'invincibilité. Ouais, on a eu une invincibilité. On en a une deuxième. En vrai, il est incroyable le deck comme ça, avec la couronne en plus. Et c'est la victoire. Let's go, on a fait 5 victoires de plus. 24 points, oui. Ah, cette session est incroyable. Cette session est incroyable. On a un peu débordé sur les 1h YouTube, mais... du coup, on va se laisser là. À bientôt pour la suite. Peut-être le passage de rang. Je sais pas.